Rien n'est trop beau pour Archie. Le dernier né de la famille royale se fait baptiser ce samedi 6 juillet dans la chapelle du château de Windsor, lors d'une cérémonie traditionnelle. Celle-ci se déroule dans l'intimité, loin des caméras et journalistes, contrairement à ce qui avait pu être organisé pour les baptêmes des cousins d'Archie. Son grand-père, le prince Charles, a vu les choses en grand. Le papa d'Harry et son épouse Camilla sont arrivés, selon The Mirror, en hélicoptère. Une bien curieuse manière de se rendre à la cérémonie pour un défenseur de l'environnement. Le grand-père d'Archie n'a vraisemblablement pas pu faire autrement, il était au pays de Galles depuis plusieurs jours pour célébrer ses 50 ans en tant que prince de Galles. Le baptême, initialement prévu vendredi 5 juillet, a même été repoussé d'un jour pour permettre au fils de la reine et son épouse de se joindre aux festivités. Pour leur permettre d'arriver à temps à la cérémonie, quoi de mieux qu'un hélicoptère, pouvant relier une telle distance en un rien de temps. La présence de Charles et Camilla est très importante pour les parents d'Archie. Le prince héritier au trône a noué une relation forte avec Meghan Markle. C'est lui qui l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel le jour de son mariage avec son fils, après l'imbroglio qu'il y a eu entre la duchesse et son propre père, Thomas Markle.